Après le triomphe de Batman, classé 5e plus grand succès de son époque, l'idée de faire une suite était inévitable. La Warner, confiant dans le potentiel de la franchise, avait déjà plusieurs idées en tête à la fin de l'année 1989, avec l'intention de débuter le tournage dès le mois de mai suivant. Le studio avait acquis les décors de Gotham City pour 2 millions de dollars auprès des Pinewood Studios en Angleterre, en prévision d'au moins deux suites. Ces décors étaient d'ailleurs sous surveillance constante car il était plus économique de les entretenir que d'en construire de nouveaux pour chaque futur long métrage. Robin Williams et Danny DeVito étaient envisagés pour incarner respectivement l'homme mystère et le pingouin. Malgré les pressions de la Warner pour finaliser un scénario et entamer la production, Tim Burton demeurait indécis quant à l'idée d'une suite. Il qualifiait cela d'idée étourdissante, surtout qu'avant d'évaluer la performance du premier opus, il était déjà réticent à réaliser une séquelle. Selon lui, les suites ne valent le coup que si elles offrent la possibilité de créer quelque chose de nouveau et d'intéressant. Il faut aller au-delà, car le premier film est motivé par le frisson de l'inconnu. Une suite efface tout cela, il faut donc explorer de nouveaux horizons. Burton a été finalement confirmé pour réaliser la suite en janvier 91 avec un tournage prévu plus tard dans l'année pour une sortie en 92. Il a accepté de revenir à condition de bénéficier d'un contrôle créatif total, ce qu'il a obtenu. En effet, le réalisateur n'aimait pas vraiment son Batman, décrivant le long métrage comme un peu ennuyeux par moments. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Selon Denise Dinovi, sa productrice de longue date, seulement 50% du film était du Burton. Et puis ça tombe bien, car le studio souhaitait que Batman le défi soit plus un film à la sauce du cinéaste, c'est-à-dire un film plus étrange, mais aussi plus branché et amusant. Qu'entendez-vous par là ? Le metteur en scène a alors apporté quelques changements dès le départ. Il a remplacé plusieurs membres de l'équipe par certains de ses anciens collaborateurs, dont le directeur de la photographie Stefan Chapsky, le chef décorateur Bo Welch, le superviseur des effets spéciaux Stan Winston, ainsi que le directeur artistique Tom Duffield et Rick Heinrich. Et pour l'écriture du scénario, Daniel Waters a été engagé pour remplacer Ham, scénariste du premier film, qui avait pourtant déjà écrit quelques pages. L'idée initiale de son histoire consistait à développer le personnage du procureur Harvey Dent et à explorer sa transformation en double face. Cependant, le studio souhaitait que le principal antagoniste soit le pingouin. Ce dernier est apparu pour la toute première fois en 1941 dans l'univers de Batman. Son apparence physique est souvent caractérisée par une silhouette trapue et une démarche chancelante. Mais c'est avant tout un personnage complexe. Ses motivations varient selon les interprétations, mais il est généralement obsédé par le pouvoir, la richesse et le contrôle de Gotham City. Tiens, porte ce badge. Catwoman a ensuite été ajoutée car Burton et Ham étaient tous les deux intéressés par ce personnage. Également connue sous le nom de Selina Kyle, elle est quant à elle souvent dépeinte comme une voleuse agile et séduisante habillée dans un costume de chat. Son histoire est souvent marquée par une relation ambiguë avec le Chevalier Noir, oscillant entre l'alliance et une tension romantique. Miaou. Elle est dotée d'une grande intelligence, d'une agilité hors du commun et d'une expertise en arts martiaux, ce qui en fait une adversaire redoutable et une alliée précieuse selon les circonstances. Juste le petit minot que j'avais envie de voir. Je vais te réchauffer. Couchez, Oswald. N'ayant pas aimé la version de 89, Waters n'avait, selon lui, aucun intérêt à écrire une suite directe ou à respecter les bandes dessinées. Il n'avait également aucun intérêt à empêcher Batman de tuer des gens. Le héros devait refléter une époque contemporaine plus sombre. Une fois bouclé, le script a subi plusieurs réécritures. Les dialogues cyniques de Batman ont été supprimés car Michael Keaton pensait que le Chevalier Noir devait rarement parler lorsqu'il porte le costume. En conséquence, le scénario s'est concentré sur le développement des méchants. Tim a déclaré qu'il avait initialement du mal à comprendre pourquoi le pingouin était aussi populaire. Batman, Catwoman et le Joker avaient des profils psychologiques clairs, mais pour lui, le pingouin n'était que ce type avec une cigarette et un haut de forme. Lui et son auteur ont donc décidé de le rendre plus animal, de faire du pingouin une figure tragique, abandonnée par ses parents qui serait un reflet du traumatisme de l'enfance de Batman qui a lui aussi perdu ses parents. Une satire politique et sociale a également été ajoutée, influencée par deux épisodes de la série télévisée des années 60 dans lesquels le pingouin se présente à la mairie. Un maire, ça a forcément l'oreille des médias, et ça baisse du matin au soir. Yeah.
Quant au personnage de Max Schreck, il a été créé spécialement pour le film. C'est un homme d'affaires richissime et corrompu. Faites votre macho si vous en avez besoin, vous ne pouvez quand même pas aller jusqu'à me tuer. J'irai jusque-là. Au fil des réécritures, Burton et Waters se sont disputés. Ils étaient constamment en désaccord sur l'évolution de l'histoire. Refusant de mettre en œuvre les modifications demandées, le scénariste Wesley Strick est embauché pour affiner le travail. Côté casting, Keaton est de retour pour un cachet de 10 millions de dollars, soit le double de ce qu'il avait touché pour Batman. Pour le Pingouin, Marlon Brando, Dustin Hoffman, Christopher Lloyd et Robert De Niro sont envisagés, mais Danny DeVito est devenu le favori. Le comédien était initialement réticent à accepter le rôle, jusqu'à ce que son ami proche Jack Nicholson lui dise de sauter sur l'occasion. Burgess Meredith, qui jouait le Pingouin dans la série, était censé faire une apparition dans le rôle du père, mais il est tombé malade pendant le tournage. Il a donc été remplacé par Paul Rubens, qui a joué l'horrible Pee-wee. Pour Catwoman, Annette Bening avait d'abord obtenu le rôle, mais a dû se retirer car elle attendait un heureux événement. Parmi les actrices en lice pour le rôle figuraient entre autres Helen Barkin, Cher, Bridget Fonda, Jennifer Jason Leigh, Madonna et Susan Sarandon. Selon une rumeur, Kim Basinger était également une candidate potentielle. Cependant, le choix le plus sérieux était Sean Young, qui avait été initialement sélectionné pour incarner Vicki Vale dans le premier Batman avant d'être blessé. Lors de l'audition, elle s'est présentée avec un costume fait maison, mais la Warner n'était pas emballée par sa prestation. Le rôle est revenu à Michelle Pfeiffer. Elle a reçu un cachet de 3 millions de dollars ainsi qu'un pourcentage sur les bénéfices. La comédienne a dû s'entraîner pendant des mois au kickboxing avec sa doublure Cathy Lang et a maîtrisé l'art du fouet, devenant suffisamment compétente pour réaliser ses propres cascades. Interpréter Catwoman était un défi incroyable et excitant pour moi. J'ai dû m'entraîner physiquement pour le rôle, travailler avec des chorégraphes pour maîtriser les scènes d'action et plonger profondément dans la psyché complexe de ce personnage emblématique. C'était une expérience transformative. Ce qui m'a vraiment attirée vers Catwoman, c'est sa dualité fascinante. Elle est à la fois féroce et vulnérable, forte et fragile. Jouer un personnage aussi complexe était un défi que j'ai adoré relever. Catwoman est une anti-héroïne vraiment unique. C'est un personnage emblématique qui résonne auprès du public depuis des décennies. Elle incarne l'indépendance, la force et la liberté. C'était un honneur pour moi de donner vie à ce personnage légendaire et j'espère avoir réussi à capturer ne serait-ce qu'une fraction de son essence. Et enfin, Max Schreck est interprété par l'excellent Christopher Walken. J'ai une suggestion à vous faire. J'ai peur que nous n'ayons pas très bien dressé, mademoiselle Kyle. Le tournage a débuté le 3 septembre 91. Pour des raisons économiques, Burton a souhaité tourner aux États-Unis avec des acteurs américains. Cela a entraîné l'abandon des décors anglais au profit des nouveaux conçus par le cinéaste lui-même. Au niveau des déguisements, il y a eu également quelques petits changements. La chauve-souris a eu le droit à une révision de son costume dans le but de lui donner une allure similaire à celle de Dark Vador. De plus, les costumiers ont fait en sorte que Keaton soit cette fois-ci beaucoup plus libre de ses mouvements. Une braguette avait même été envisagée pour permettre à Keaton d'utiliser les toilettes. Mais l'acteur a refusé cette option, craignant que cela se voie sur certains angles. Cela dit, certaines rumeurs disent qu'il y en avait bien une à certains moments. La tenue de Catwoman était fabriquée en latex afin de lui conférer un aspect sexy, moulant et brillant, reflétant la transformation du personnage qui passe d'une secrétaire réprimée en une femme extravertie et érotique. D'après l'équipe, le latex était facilement réparable en cas de déchirure, d'où la production de 40 à 70 costumes de secours, coûtant chacun 1000 dollars. D'autres versions, moulées sur le corps de Pfeiffer, étaient si ajustées qu'elles devaient être saupoudrées de poudre pour bébé pour les enfiler. La comédienne a comparé son costume à une seconde peau, bien qu'il fût inconfortable à porter sur de longues périodes. Elle a également trouvé le masque très étouffant. C'était le costume le plus inconfortable que j'ai jamais porté. Ils ont dû me poudrer pour m'aider à rentrer dedans. Je détestais vraiment porter cette combinaison. À la fin du tournage, on a fait un feu de joie. J'étais tellement heureuse. Il y en avait des millions parce qu'il se cassait très facilement, alors il fallait toujours en refaire un. Pour le look du Pingouin, le studio Stan Winston a voulu créer une esthétique burtonienne. L'artiste conceptuel Mark McCrary a réalisé plusieurs croquis pour ce look à partir desquels Legacy Effect a fabriqué un nez sur mesure pour DeVito. Winston n'était pas satisfait des premières formes du nez pointu et a commencé à sculpter ses propres idées.
Finalement, le maquillage comprenait un appareil en forme de T, couvrant le nez, les lèvres et les sourcils de De Vito, ainsi que des dents tordues, une peau blanchie et des cernes sous les yeux. Il fallait en tout 4h30 pour appliquer toutes les prothèses, que ce soit sur le visage ou les mains. Une poche à air a été ajoutée au costume pour alléger son poids. L'acteur a collaboré avec les équipes de maquillage et d'effets pour créer la salive noire du pingouin, utilisant un bain de bouche et un colorant alimentaire injecté dans sa bouche avant le tournage. De Vito était totalement investi dans son personnage lorsqu'il portait le costume. Il effrayait même tout le monde sur le plateau. Alors que son design devait rester secret, une photo a été divulguée à la presse. La société a voulu engager des enquêteurs privés pour connaître la source, mais s'est vite rétractée. Sinon, le plus gros défi lors du tournage, c'était bien évidemment l'armée de pingouins. Pour le bien-être des animaux, le plateau a été évidemment réfrigéré. Ces oiseaux ont été transportés par avion et ont été accueillis dans une zone d'attente réfrigérée équipée d'une piscine remplie d'une demi-tonne de glace ainsi que de poissons frais. Bien que De Vito ait admis ne pas apprécier les conditions sur le plateau, il était le seul à être un peu à l'aise grâce à son gros costume. Pour créer l'armée des manchots, les pingouins étaient complétés par des animatroniques créés par Stan Winston. C'était un travail impressionnant qui nécessitait en moyenne 5 opérateurs par marionnette. Il y avait 3 tailles différentes avec 10 exemplaires de chaque taille. Il y a également eu 40 costumes de manchots empereurs portés par des personnes de petite taille ainsi que des images générées par ordinateur. Bien que la Warner ait affirmé que les animaux n'avaient pas été maltraités pendant le tournage, PETA a déclaré plus tard que les oiseaux n'avaient pas reçu d'eau potable fraîche mais seulement une petite piscine chlorée. Malgré ses contestations, Burton a veillé à ce qu'il soit traité avec soin, étant lui-même un fervent défenseur des animaux. Une autre difficulté est survenue lorsqu'il a fallu équiper les pingouins d'un petit missile dorsal pour la dernière séquence du long métrage. Cette étape a demandé du temps car il a fallu leur enfiler le costume en douceur afin qu'ils comprennent qu'il n'y avait aucun danger pour eux. Cette phase d'adaptation a pris plusieurs semaines. Grâce à l'entraînement, ils pouvaient être déplacés d'un point A à un point B sans trop de difficultés. Pour une scène où Catwoman place un oiseau vivant dans sa bouche, aucun effet spécial n'a été utilisé. L'actrice a admis plus tard qu'elle n'avait pas pleinement pris en compte les risques de blessures ou de maladies sur le moment. Une autre anecdote amusante raconte que lors d'une scène dans les égouts, un singe a sauté sur les testicules de De Vito lorsqu'il l'a vu en costume complet et maquillé. Heureusement pour l'acteur, son costume était rembourré. Le tournage s'est conclu le 20 février 92 après 170 jours de travail. Danny Elfman était initialement réticent à composer la musique de cette suite, en grande partie à cause de son expérience sur le premier opus où il a dû incorporer de la musique pop dans sa partition. Mais il a très vite compris que cette fois-ci, on n'allait pas lui soumettre une telle chose. Il s'est alors appuyé sur son travail réalisé pour le film de 89, tout en proposant évidemment de nouvelles musiques. Il a notamment exprimé son affection pour la composition des thèmes liés au personnage du pingouin en raison des aspects plus humains du personnage tels que son abandon et sa solitude. Bien que des tensions aient émergé entre lui et Burton en raison du stress lié au délai serré, ils ont rapidement surmonté leur désaccord. Après que les produits dérivés aient généré plus de 500 millions de dollars avec le premier film, ils sont devenus une priorité pour Batman 2. La Warner a choisi de retarder la campagne de promotion jusqu'en février 92 afin d'éviter la saturation du marché. Une première bande-annonce est dévoilée lors de la Worldcon en septembre 91 avec une affiche en noir et blanc qui a été jugée banale. Une nouvelle bande-annonce sort dans 5000 salles en février 92, accompagnée d'une affiche présentant le logo de Batman balayé par la neige. La campagne promotionnelle s'est focalisée sur les 3 personnages principaux pour compenser avec l'absence de Jack Nicholson. Plus de 100 millions de dollars ont été alloués au marketing, dont 20 millions de dollars pour les publicités et les bandes-annonces, et 60 millions de dollars pour les partenaires commerciaux. McDonald's a transformé 9000 de ses points de vente en restaurants de Gotham City, proposant des emballages à thème Batman et des couvercles de gobelets pouvant également servir de frisbee. CBS a diffusé une émission spéciale pendant que certaines publicités ont présenté Batman et Catwoman en train de se disputer pour une canette de Coca-Cola Light. Just for the taste. Le film sort officiellement le 19 juin 92. Pour un budget de 80 millions de dollars, ce deuxième opus rapporte 266 millions de dollars au box-office mondial. Même si le film est un succès, on est bien loin des 400 millions du premier. La Warner attendait clairement plus d'argent.
En plus de cela, des associations parentales ont critiqué l'œuvre pour sa violence et ses références sexuelles. Hello everyone. By now you pretty much have had to have heard that the summer's big movie is Batman Returns. In its first couple of weeks, it has already grossed more than $100 million at the box office and it is already creating controversy. Some parents contend that Batman Returns, which is rated PG-13, is actually being marketed for younger children and the movie is just too violent. Le studio a reçu des milliers de lettres de plainte. Le scénariste Daniel Waters s'est souvenu de la réaction du public lors d'une projection. Les enfants pleuraient, des gens agissaient comme s'ils avaient reçu un coup de poing dans le ventre, comme s'ils avaient été agressés. Si l'aspect sombre est pointé du doigt, les critiques n'oublient pas de mettre en avant l'intrigue, la performance de Michelle Pfeiffer et le style visuel. Si Batman le défi ne remplit pas vraiment son contrat de divertissement tout public, cela ne veut pas dire pour autant que le film est raté. Loin de là. Il s'agit même d'un des sommets de la filmographie de Tim Burton, aux côtés d'Ed Wood et d'Edouard aux mains d'argent. Lettre d'amour sombre à des personnages mal dans leur peau d'être humain et qui se réfugient dans leur animalité primaire, ils forment tous ensemble le bestiaire totémique qui hante les nuits des citoyens de Gotham City. Burton n'a que haine et dédain pour les humains superficiels de cette métropole. Il leur préfère les monstres imparfaits et sales qui errent sur les toits et dans les égouts. Tantôt hilarant et parfois incroyablement sombre, le scénario dérangé de Daniel Waters, accompagné des arrangements lyriques de Danny Elfman et de l'imagerie puissante de Burton, crée une œuvre mélancolique et noirâtre, à l'image de la bile dégoûtante que le pingouin crache en permanence jusqu'à sa triste mort. Ce virtuose de l'esthétique sombre et du fantastique qu'est Burton atteint de nouveaux sommets avec Batman le défi. Ce deuxième film transcende brillamment son prédécesseur, élevant l'expérience cinématographique à des hauteurs vertigineuses grâce à son mariage parfait entre l'imagination débordante de son cinéaste et l'univers emblématique de Batman. Sorti en 92, cette œuvre fait suite au succès retentissant du premier film sur le Chevalier Noir, sorti en 89. À cette époque, les films de super-héros n'avaient pas encore atteint le niveau de saturation qu'il connaît aujourd'hui. Les attentes pour ce deuxième opus étaient donc extrêmement élevées. Après une expérience négative durant la production du premier Batman, Burton nous a offert ce qui est peut-être son meilleur film, Edouard aux mains d'argent, qui aura peut-être le droit à sa vidéo sur cette chaîne. Alors, quand la Warner revient vers lui au moment où il a pondu ce qui est sûrement son œuvre la plus personnelle, impossible pour lui d'imaginer repartir dans ce voyage infernal conduit par des producteurs insupportables. Mais cette fois-ci, on lui promet une liberté totale. Et mon Dieu que ça fait du bien. Dès les premiers instants, on est happé par des décors époustouflants évoquant un Gotham City à la fois sinistre et enchanteur. Chaque recoin de cette métropole fictive respire l'atmosphère gothique et expressionniste si chère au metteur en scène. Les bâtiments délabrés, les ruelles sombres et les structures monumentales créent un cadre visuel saisissant où le fantastique se mêle habilement à la réalité. L'ADN du réalisateur imprègne chaque aspect du film, de la direction artistique à la narration, en passant par la caractérisation des personnages. Si le premier volet de la franchise semblait être une introduction à son univers singulier, le défi est l'œuvre d'un artiste affirmé, un conteur maîtrisant parfaitement son art. Chaque plan est méticuleusement composé, chaque séquence est chargée de symbolisme et de subtilité, faisant de chaque visionnage une expérience sensorielle unique. L'aspect nocturne et étouffant du film crée une tension palpable renforcée par des performances d'acteurs exceptionnelles. Michelle Pfeiffer incarne à la perfection la complexité tourmentée de Catwoman, tandis que Danny DeVito donne vie à un pingouin à la fois repoussant et touchant. Christopher Walken, lui, le vrai méchant du film, apporte également sa contribution en interprétant le machiavélique Max Schreck avec une intensité captivante. Bien que Jack Nicholson ait marqué les esprits en incarnant le Joker, les méchants de cette suite rivalisent brillamment. Et que dire par rapport à la musique à part que... elle est complètement envoûtante. Le travail de Danny Elfman enveloppe le spectateur dans une atmosphère envoûtante, soulignant chaque moment clé de l'histoire. Sa partition orchestrale est bien plus qu'un simple accompagnement. Elle devient un personnage à part entière, guidant les émotions du public à travers les méandres sombres de Gotham. Le scénario, d'une richesse inépuisable, offre un équilibre parfait entre action, suspense et introspection. Chaque réplique est ciselée avec soin, chaque rebondissement est parfaitement orchestré, faisant de chaque visionnage une expérience immersive. Les costumes conçus par Bob Rigwood et Marie Yvotte sont une véritable prouesse artistique, reflétant à la fois l'esthétique gothique de Burton et la personnalité unique de chaque personnage. De la combinaison moulante de Catwoman aux étranges accoutrements du pingouin, chaque tenue est un chef-d'œuvre de créativité. Et enfin, la noirceur de cette suite est ce qui la distingue vraiment des autres films de super-héros. Le réalisateur ne se contente pas de raconter une histoire de justicier masqué. Non, il plonge au cœur de la psyché humaine, explorant les recoins les plus sombres de l'âme humaine avec une sensibilité et une profondeur rares. En conclusion, Batman le défi est bien plus qu'une simple suite. C'est une œuvre d'art, un voyage visuel et émotionnel dans l'univers singulier de Burton.
Avec sa direction artistique impeccable, ses performances exceptionnelles et son scénario riche en nuances, ce film restera gravé dans les mémoires comme l'une des plus belles réalisations du cinéaste. Au début du film, alors que Selina est assise à son bureau, la lampe projette une ombre à travers les moutures de ses lunettes, rappelant son futur masque qu'elle portera en tant que Catwoman. Et les stocker ? Les emmagasiner ? Toujours au début, l'une des photographies dans le bureau de Max Schreck le montre en compagnie d'Arnold Schwarzenegger, qui va par la suite interpréter le rôle de Mr. Freeze dans Batman et Robin. Le personnage de Vicki Vale, interprété par Kim Basinger dans Batman, était initialement prévu pour revenir dans ce film. Elle figurait dans la première version du scénario de Sam Hamm, conçue comme une suite directe. Mais comme Tim Burton n'est pas friand des suites, il a décidé de l'exclure. Elle est mentionnée brièvement lors d'une conversation entre Bruce Wayne et Selina Kyle. Vous lui faisiez des mystères. Non, je lui racontais tout. Ah ? Et si Vicki a cru que... Vicki ? Hôtesse de l'air ou patineuse ? Lors d'une interview télévisée, Stan Winston a partagé une charmante anecdote lorsque son équipe récupérait les pingouins mécaniques. Ils ont découvert avec étonnement l'un des pingouins vivants blotti tendrement contre l'un des pingouins mécaniques, témoignant ainsi d'un mélange insolite et touchant entre la réalité et la fiction. Pour créer la scène où les chats entourent Selina, les cinéastes ne sont pas allés chercher très loin, ils ont juste placé du ton autour d'elle. David Bowie, qui avait déjà été envisagé pour incarner le Joker dans Batman, était initialement le premier choix pour le rôle de Max Schreck avant que Christopher Walken ne soit sélectionné. Lorsque Michelle Pfeiffer a déménagé en 2004, elle a retrouvé le fouet qu'elle avait utilisé pendant le tournage. Nostalgique, elle s'est aventurée dans son jardin et a tenté de le manier, mais elle a admis qu'elle était un peu rouillée. Vers la fin du long métrage, le pingouin dit « Je ne suis pas un humain, moi ! Je suis seulement un animal !» C'est un clin d'œil évident à Elephant Man, où le protagoniste s'exclame « Je ne suis pas un animal, je suis un être humain !» lorsqu'il est confronté à la curiosité des citadins. Et voilà, c'est tout pour Batman le défi. J'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.